Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous demander de vous abonner, et de mettre un pouce s'il vous plaît et d'aller consulter les liens que j'ai mis en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un livre excellent, La chute de l'Empire Occidental, Michel Vial, euh, édité par Synthèse Nationale. Synthèse Nationale, c'est Roland Elie, un camarade que j'aime beaucoup. Monsieur Vial, c'est un ancien engagé dans les volontaires au Liban. Quand il était étudiant en 1976, donc c'est quelqu'un qui est allé se battre pour défendre les chrétiens. Je respecte énormément ce combat. Donc, un petit livre, 132 pages avec une très belle couverture, la statue de la liberté en noir et blanc avec le gros titre "La chute de l'empire occidental". C'est prenant. Les éditions synthèse nationale je trouve qu'ils font quand même un bon travail, ils font des petits livres, euh, Les carnets du nationalisme, où ils expliquent euh, les mouvements nationalistes, je trouve que c'est pas mal, je vous encourage à aller consulter leur site internet et puis euh, à acheter des livres chez eux plutôt qu'à la FNAC ou Amazon. Alors pourquoi il a écrit ce livre Parce qu'il craint que sa descendance connaisse des temps difficiles, alors même que la religion du progrès paradoxalement supposait apporter des jours meilleurs. La France, l'Europe et ses peuples autochtones sont menacés comme ils ne l'ont jamais été depuis des siècles. Alors, il nous dit qu'on est attaqué déjà par le langage et qu'on ne peut plus parler de sexe, ce n'est plus autorisé. Maintenant, il faut parler de genre et une personne se définit selon sa vie sociale et plus pour ce qu'elle est. On ne dit plus père et mère, on dit parent un, parent deux. Et ben, bientôt, ça va donner la polygamie. Hein. On ne dit plus homosexuel, mais on dit gay. Mais on ne dit pas gayphobe. On appelle les minorités visibles les racisées. Mais l'inverse, c'est quoi C'est déracisé, arracisés. En fait, euh, les races existent, sauf la race blanche. Quand on dit plus un aveugle, on dit un envoyant. Pour les décapitations, on dit blessure au cou. Clandestin, on dit réfugié. Vous avez compris, les assassins, c'est des déséquilibrés. Donc il nous donne des exemples de langues et il nous dit que quand l'état nous dit combattre le terrorisme, le terrorisme c'est un moyen, c'est pas un ennemi. Et il nous prend l'exemple de Churchill qui nous dit, euh, imaginez Churchill dire je combats les sous-marins ou Napoléon dire je combats euh, les cavaliers. Alors quand on nous dit qu'on combat l'islam radical, il reprend encore les exemples de Churchill, euh, Churchill disait pas je combats les nazis radicaux. Alors, ça vous a pas échappé, en ce moment on entend beaucoup parler de haine, surtout sur les réseaux sociaux. Et lui il nous dit que la haine n'est plus un sentiment, c'est devenu un concept juridique avec un arsenal législatif, avec une interprétation laissée aux magistrats. Sauf si vous êtes un artiste poète qui appelle à pendre les blancs. Et si vous dénoncez cette haine, c'est vous les salauds. Ah, il nous parle d'indigènes qui en fait sont les descendants des gallo-romains et des blancs pas des anciennes colonies, qui sont devenues un parti politique, les indigènes de la République. Et puis, on, on nous sort République, Républicain à toutes les sauces. Dans un passage sur l'écologie, il nous dit que l'écologie, c'est le retour des hippies avec ses grands prêtres, dont euh, Sainte Greta. Et euh, ce mouvement s'est professionnalisé en ONG, ministère sommets d'État. C'est la grande cause du 21 e siècle. L'écologie politique, qui est en fait des militants politiques, de gauche, d'extrême-gauche, des rouges passés au vert, des pastèques, comme on les appelle. Ben lui, Pour lui, c'est de l'enfumage, hein. c'est des maoïstes trotskistes, intolérants et sectaires. Et pour se foutre de la figure des, de ces gens-là, il nous dit « Tchernobyl, c'était bien un URSS, non ?» Alors il nous met en garde sur les projets de ces gens-là hein, qui sont favorables à l'immigration de masse, pour le vote des étrangers, pour la dénatalité blanche, la dépénalisation des drogues, l'islamisation de la société et bien sûr la suppression des frontières. Mais on pourrait en parler encore, il y a plein de trucs qui sont, qui sont complètement débiles que ces gens-là veulent faire. L'écologie punitive avec des taxes, notamment les éoliennes. Leurs solutions sont toutes sauf scientifiques, mais idéologiques. Alors quand il parle des antispécistes véganes, il les qualifie de dérangés et pour lui la vraie solution c'est le local, produire local. Il nous parle aussi de la déchristianisation. Hein. Alors ça attaque aussi au niveau du langage. Hein. On dit plus Noël, on dit les fêtes de fin d'année. Ils veulent enlever les crèches. Et puis toutes les attaques qu'on voit, euh, ben, elles sont rarement condamnées. Hein. Alors puisqu'on en parle, je vais faire un petit coup de pub pour un mouvement qui est ami. C'est l'ordre des pauvres chevaliers du Christ qui en fait font la protection des lieux ou des cérémonies chrétiennes contre le vandalisme ou les agressions. Vous avez un site internet, je vais mettre le lien. Et euh, allez-y, contactez-les, ils recrutent en ce moment. Euh, et euh, je les connais bien, ce sont des gens vraiment très très bien. Il nous parle de supériorité occidentale euh, avec une liste d'inventions, euh, notamment l'imprimerie, euh, les lunettes astronomiques, la vaccination, l'héliocentrisme, la, la machine à vapeur, la structure chimique des corps, la gravitation, la photographie, l'électricité, le chemin de fer, la radiographie, l'automobile, le cinéma, l'avion, l'atome, la physique quantique, bon, il y a une liste interminable. Hein. Notre culture a été imitée mais jamais égalée et de loin elle dépasse toutes les autres qui n'ont pas évolué ou carrément même pas décollé. Comme exemple on peut voir l'architecture, la littérature ou même l'armée et les militaires. L'homme occidental est dévirilisé et attaqué, euh, notamment avec la repentance. Et pour ça, je vous envoie au livre de Lefebvre euh, pour en finir à, avec la repentance coloniale. C'est très important, c'est une arme. Il faut que vous l'ayez lu. Hein. Moi, une fois que je l'ai lu, ce livre, après, euh, c'est fini la repentance. Hein. Parce qu'au train où ça va les choses, bientôt à l'école, ils enseigneront que Charles Martel était islamophobe. Là, ils commencent à changer les noms de rues, mais bientôt, vous verrez des rues LGBT. Les peuples sous-développés prennent leur revanche aidés par le masochisme, dont seule la psychiatrie pourrait les en sortir. L'Occident continue à dominer le monde, à imposer sa science et sa technique, mais il en a honte. Là, il nous cite le livre de Samuel Huntington, Le choc des civilisations très très bon livre. Celui qui l'emporte est toujours le plus violent et le plus déterminé. Concernant l'islam, il résume les relations avec les occidentaux qui ont toujours été hégémoniques. La France l'a toujours remporté, donc les, les musulmans euh, essayent par d'autres moyens. Euh, L'infiltration. Euh, je vous invite à consulter ma note de lecture sur le projet du, des frères musulmans dans le livre de Alexandre Delval. Alors il déconstruit l'idée que la France serait une terre d'immigration et il nous dit que la France c'est pas une terre d'immigration que ça concerne quelques milliers de personnes dans notre histoire que ça a commencé il y a un siècle pour les raisons de travail c'était des Polonais des Européens il y a eu quelques razzias dans le passé mais que ça fait pas une terre d'accueil depuis toujours. Et que tous ces gens-là, qui sont venus après des guerres, euh, ils sont pas venus pour la France, ils sont venus pour fuir quelque chose. Et aujourd'hui, ils viennent pour du travail, mais c'est pas pour l'amour du pays. Là, une phrase qui m'a beaucoup fait rire. Il nous dit :« Le vivre ensemble, c'est pour les autres. Ceux qui l'ont décidé ne marient pas leur fille avec un vieillard barbu. À quoi a servi la bataille de Poitiers si c'est pour que les musulmans s'installent et colonisent ici ?» L'islam n'est compatible en rien. Et différencier l'islam politique et l'islam modéré, c'est nul. L'islam est forcément politique. Euh, sinon, on devient apostat. Et apostat, c'est la peine de mort. Alors, maintenant, sortez vos calculettes. Alors, euh, il nous dit, selon les chiffres officiels, qu'il y a 7 millions de musulmans en France. Bon, on pense tous qu'il y en a beaucoup plus. Euh, mais on va, on va s'arrêter à 7 millions. Et il nous dit que si seulement 10% ben, sont extrémistes, ça fait quand même 700 000 islamistes. Et si dans ces 700 000 islamistes, il n'y a que 15% qui passent à l'acte, comme on a vu, ça nous fait quand même 100 000 Mohamed Merah. Et il nous dit que les islamistes, ce ne sont pas simplement des délinquants de droit commun. Là, je vous renvoie sur la note de lecture que j'ai fait sur le livre de Zineb El-Razoui. Comme solution, il veut qu'on emploie la phrase de Charles Pasqua, terroriser les terroristes. Par contre, je ne peux pas vous dire euh, les solutions militaires qu'il propose. Euh, je pense que ça risquerait de, de m'attirer des problèmes euh, et je préfère euh, m'abstenir. Il énumère euh, des dysfonctionnements, euh, notamment euh, la France qui fait revenir les djihadistes, où ils reviennent euh, par des chemins de migrants. Euh, on n'expulse pas les imams radicaux. Euh, on ne ferme pas les mosquées. Les rappeurs appellent au meurtre de blancs. Je dis tout à l'heure, pendez les blancs. Euh, la police euh, ou la gendarmerie est infiltrée par des fichiers S. On a même un élu qui est devenu maire et qui est un fichier S. Et nous pour y poster, on fait des marches blanches, on fait des parterres de fleurs. Les gens écrivent des livres. Vous n'aurez pas ma haine. Il y a notamment le patriote Patrick Jardin, hein, sa fille a été tuée au Bataclan, qui a été fiché S. Et il y a une élue qui l'a même harcelé, qui a été condamnée par la justice. Celle-là, on se souviendra d'elle. Et tout ça, ça donne encore plus de signes de faiblesse aux djihadistes et moi quand je discute euh, des fois je dis la guerre a déjà commencé mais un camp refuse de la faire il nous cite le roman de Michel Welbeck Soumission qu'il voit comme le futur puis aussi il prend euh, le livre de François Bousquet Courage que j'ai lu et qui est très très bien je vous le conseille il est sur ma chaîne alors en conclusion, ben j'ai beaucoup aimé ce livre. Hein. Il y a des passages qui redonnent l'amour de nos racines. C'est vraiment très très bien écrit, très facile à comprendre. C'est même un livre que vous pouvez offrir à quelqu'un. Ça permettra quand même de retrouver un petit peu de bon sens. Après, il y a aussi les mauvais côtés. Hein. C'est quand même assez flippant hein, tout ce qu'il raconte, mais vraiment c'était vraiment très très intéressant, je vous le recommande. Puis en même temps, ça ferait un petit geste pour aider les éditions synthèse nationale. Après la grande question, est-ce que l'Occident est en train de se mettre une balle dans le pied Ou est-ce qu'elle arrive en fin de cycle, le Kali Yuga, qu'est-ce que c'est l'Occident donc l'Occident, c'est en fait les anciens pays du Commonwealth, c'est-à-dire les pays qui ont été colonisés par le, le, les Anglo-Saxons. Et aujourd'hui, ben, on se retrouve avec des problèmes de natalité parce qu'on vit trop bien, donc on fait moins d'enfants. Et les autres pays qui ont une grande natalité parce qu'ils sont encore sur un modèle tribal, où celui qui avait le plus d'enfants, ben, il aura le plus de, de soldats, le plus de pouvoir. Et, et donc ben, vous prenez les vases communicants. Hein. En plus, nos États, les élites, elles font rien pour l'empêcher parce qu'elles ben, ont bien compris que au plus il y allait avoir de gens, au plus ça ferait des bouches à nourrir et au plus elle pourrait euh, gagner de l'argent. Euh, une fois que vous avez pris tout ça, c'est vrai que euh, c'est assez dramatique ce qui nous arrive. Mais bon, les empires, ça tombe. Hein, regardez euh, l'Empire romain 1500 ans, l'URSS euh, 80 ans, euh, les Ottomans 6 euh, siècles. Euh, c'est des phases. Moi, je pense que c'est pas foutu. Pour ça, ben, je vous recommande de vous communautariser, d'aller vers vos semblables et de faire des projets en commun. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous laisse en musique avec Teuse. Rémi, je te salue, ainsi que tous les autres, les braves, les communautaristes, le CP et puis tous ceux que j'ai oubliés. À très bientôt, les amis.